maintenant d'écouter notre version concert d'Ailes Brisées que nous avons chantée en juin 2019 avec Jean-Christophe comme soliste. Et vous allez entendre donc la partie de chœur. Il y a eu quelques petits décalages, mais on s'est plutôt rattrapé. Je vous propose d'écouter, essayer d'écouter d'une façon analytique pour essayer d'améliorer notre façon de chanter. Et donc essayer d'entendre encore une fois les attaques. Est-ce que vous entendez les attaques précises et claires? Vous allez même pouvoir voir votre attitude puisqu'on voyait les chanteurs. Chanteurs qui n'ouvraient pas trop la bouche, qui étaient un peu distraits ou en retard. Et donc ça ne s'entend pas énormément, mais on entend une qualité qui est moins bonne, même si l'énergie était là et c'était une superbe expérience. Donc maintenant, c'est à vous d'écouter et d'analyser cette version d'Ailes Brisées pour essayer d'améliorer dans la version tutti que nous allons faire ensemble, chacun chez lui, sur ce même mouvement. Je suis comme un baiser de l'enfer.
Maintenant, ça va être à vous de chanter sur la version instrumentale. Alors, nous avons fait un essai avec quelques-uns d'entre vous à l'Opéra à Strasbourg. Je vous propose de faire cet essai. Je vais diriger et comme ça, on s'entraîne à réagir par rapport aux gestes. Un peu comme Whittaker a fait dans ce chœur virtuel. Il avait envoyé une vidéo de lui-même en train de diriger. Les chanteurs ont respecté ce geste-là et c'est pour ça que quand il a rassemblé les enregistrements des uns et des autres, non seulement c'était bien calé, mais en plus c'était expressif parce qu'ils essayaient tous d'interpréter son geste. Donc je vous propose de faire à votre tour un chœur virtuel. Nous allons chanter tous ensemble, chacun sa voix, les ailes brisées. Je dois tout au vent, on ne peut pas être calé, de deux mètres au même temps. Laissez-moi, laissez-moi, mais je dois partir sans tarder. Que je ne sais plus marcher, que je ne sais plus marcher. Proposer maintenant de faire un jeu sur un accordeur. Donc vous allez trouver le lien sur le site pour pouvoir jouer avec. Je vais vous montrer ce que ça fait. C'est une façon de calibrer l'oreille telle que nous jouions la dernière fois quand on s'est vu pour un atelier. Et donc je vais siffler puisque c'est la même chose chanter que siffler si c'est pour calibrer l'oreille.
Donc vous allez voir dans cet écran comment ça fonctionne. Si vous écrivez tuner-online.com, vous tombez sur cette page où il y a une grosse guitare et en bas un accordeur de guitare. Vous cliquez sur allumer si vous avez un microphone branché à votre ordinateur, sinon sur un smartphone ça marche aussi. Et une fois que c'est fait, vous pouvez essayer par exemple d'accorder un Fa. L'idée c'est d'avoir la jauge qui reste dans la zone centrale. Si je le fais trop haut, trop bas, bah la jauge bouge. Et si on fait des gros mouvements, la note en bas change. La note qui est indiquée en chiffrage américain. Donc vous pouvez vous amuser après cet atelier et jouer avec votre propre microphone.